Wesh les amis, mais attendez, mais je suis tombé sur un truc, j'ai sorti ma caméra, j'étais pas censé tourner tout de suite. Mais depuis quand, au tacos, ils font des poutines, frère? Ils font des poutines ou des bols, je sais pas quoi. Gros, regarde, c'est quoi ce délire, frère? Je te jure, j'ai vu ça, j'ai tapé sur YouTube, j'ai vu des vidéos, ça m'a donné envie, alors que je sais que ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être complètement fat dans l'absolu. Oh, regarde-moi ça, gros, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, on est obligé d'aller goûter ça. Les amis, j'ai sorti ma caméra, j'ai dégainé. Comme si là, j'étais en vacances des croutons, tu vois. Genre, quand il se passe quelque chose, bam, je dégaine ma caméra et je filme, alors que c'était pas forcément prévu. C'est exactement pareil. On va se taper une dégustation improvisée, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, les petits pouces et les abonnements, les commentaires. On se donne rendez-vous dans ma voiture. Je vais aller chercher un Otakos Balls, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, on va dégommer tout ça. Franchement, je suis un peu mitigé, mais j'ai la dalle, du coup. Bon, on va se remplir le bidon, quoi. C'est parti! Code créateur Balouze, les gars. Les amis, c'est l'heure. Oh là 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 là. J'ai pris deux bols. J'ai pris le bols chicken et oignon et le bols tenders bacon. C'est 11,90 un bols. Bordel. Et bien évidemment, bah quand je prends au tacos, les gars, ça c'est la valeur sûre. Le petit tropico. Alors, à quoi ça ressemble? What the fuck? Et par contre, ils m'ont mis des couverts, j'espère. Sa mère, ils m'ont pas mis de couverts, les enfoirés. Ils m'ont pas mis de couverts, wesh! Comment tu veux grailler ça sans couvert, frère? Je vais pas vous mytho, j'ai un seum intersidéral. Je vais quand même essayer de goûter juste un onion rings. Ouais, j'ai toujours plus de sauce. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le truc, il dégouline. Regarde comment ça bouge. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce plat du chétan, mec? Oh, je mets mes mains bien dedans, là. Attention, on va voir s'il est croustillant, l'onion rings. Oui, une petite sauce algérienne. Ça pique un peu. Niveau du goût, bah, c'était à pronostiquer. Bah, au tacos, hein, forcément, les premières bouchées, tellement c'est gras, tellement c'est fucking n'importe quoi, bah c'est bon. Mais je pense que ça peut très vite dégoûter. Par contre, j'ai vraiment le seum. Hein. J'ai vraiment le seum parce que sur ma commande, j'ai mis couvert. Bon, bah les gars, RDV chez moi. Hein, parce que bah là, là je peux pas trop le grind en fait. Il me faut une fourchette. Putain, j'ai le démon. J'avais trouvé un petit spot et tout avec de la nature, un arbre au-dessus de moi, le bruit. Oh, je kiffe manger dans cette ambiance. La voilà, les amis. La voilà, on est d'accord que ça va être plus simple. Putain, mais wesh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est de la sauce, de la sauce, de la sauce. Mais mec, mais franchement, je me demande vraiment à quel moment ils se disent « Waouh, notre plat, franchement, là, il va faire fureur, ça va être une dinguerie. » Après, peut-être que là, je suis en train de cracher dessus et je vais me régaler, hein. Mais... Dans celui-là, c'est du chicken, des oignons frits, de la sauce algérienne, sauce fromagère, des frites. Oh, la bouchée de la mort! Attention! Mmh. En vrai, c'est pas mal. T'arrives quand même à dissocier les le goût des aliments. Je vais me retaper un croc immédiatement. Ouais. Manque de croustillant. De toute façon, je pense que ça se voit. C'est une petite bouillie. Mais en vrai, elle a du goût. Ça change des tacos. Pour le moment, j'aime bien. T'es obligé d'en foutre partout, par contre. Hein. Et en plus, la sauce algérienne, elle fait bien le taf. Ça chauffe un peu la bouche. J'aime bien. Franchement, j'avoue que je suis surpris. On va goûter le deuxième. Donc, celui-là, c'est avec du bacon. C'est avec des nuggets. Putain, mais bordel de merde, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, gros. C'est une bouillie. Chez moi, j'appelle ça un gifoutou. C'est tout le frigo. Tu regardes ça dans ton frigo. Tu mets tout dans un bol, petite sauce, clac, 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 et tu grailles. C'est un gifoutou, en fait. C'est le gifoutou de Otakos. Allez, je vais goûter. Regardez-moi cette fourchette, comment elle ressemble à rien. Encore une fois, je suis étonné. Je suis étonné, bordel. Je vais goûter immédiatement. Ça croustille un peu plus, là. C'est peut-être la panure du nuggets. Il y a une petite sauce avec. Il fait légèrement sucré-salé. C'est franchement pas mal. Putain, je suis étonné. Bon, écoutez, je faisais le beau à vouloir manger debout. J'ai déjà envie de m'asseoir. Hop. Oh, regardez ça, les gars, comment ça date. Est-ce que vous avez la ref? Mais c'est vrai que quand tu vois les plats comme ça, bon, c'est pas ce qui donne le plus envie. Hein. Je vais essayer de voir lequel je préfère. Donc là, je regoute le nuggets. Je
Je sais pas c'est quoi la sauce là-dedans. Le hot tacos balls tender et bacon, donc celui-là. C'est tenders et bacon sauce cheddar, sauce burger. Ah, c'est sauce burger. Ça fait un petit goût un tout petit peu sucré salé, c'est agréable. Frites et sauce fromagère. Il y a trois sauces, gros. Je me demande les calories que ça, cette merde. Oh, gros. C'est vrai que c'est que de la sauce. Il y a du croustillant, hein. Tu pourrais croire que c'est imbibé de sauce, mais... Putain. Non, encore une fois, franchement, je suis étonné. J'essaye de vous donner mon avis neutre, d'aspect visuel et tout, et j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, c'est quoi cette merde, pour être tout à fait franc. Et non, je suis étonné, en vrai. Par contre, gros, toi, au régime, mange pas ça, hein. J'ai jamais mangé un plat aussi saucé de toute ma vie. Ok, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et le deuxième, du coup, dedans, c'est du poulet nature, des onion rings, de la sauce cheddar, de la sauce algérienne, des frites et de la sauce fromagère. Donc, encore une fois, trois sauces. Merde, putain. Donc là, on peut voir le petit poulet nature, les frites, les sauces. En vrai, c'est bon. Moi, j'aime pas trop la sauce fromagère au tacos parce que je la trouve dérangeante au bout d'un moment. Bah là, en vrai, je sais même pas si t'es obligé de mettre de la sauce fromagère parce que tu la sens pas. Ça ajoute juste du liquide en plus. Non, mais je suis surpris parce que même le bout de poulet, on le sent quand même, il a du goût. Le poulet est tendre. Non, ils m'ont bien fait fermer ma gueule. Franchement, ça change des tacos. Ah bah tu m'étonnes que ça cale cette merde. Oh, waouh. Mais je vais pas vous en donner, vous allez faire du diabète, vous. Vous avez vu la quantité de gras? Vous avez vu ça? Par contre, là, ça va faire du bien, ça. Attention. Attention, le tropico. Je bois pas de soda, hein, mais quand je bois ça, franchement... Heureusement que je bois pas de soda, d'ailleurs. Hein. Franchement, je peserais une tonne. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Je te dois un truc? Niveau préférence, je pense que je préfère le tenders and bacon. Ouais, je pense que je préfère le tenders et bacon. Bon, je vais pas vous mytho, ça commence à me dégoûter. C'est du hot tacos tout craché, en fait, hein, je pense à ça. C'est les premières bouchées, t'es en mode... Oh, ça fait du bien, je me pète le ventre. Et arrivé vers la moitié fin, t'es en mode... Mais pourquoi je mange ça, bordel, j'ai encore craqué. C'est exactement ce qui m'arrive. C'est full sauce blanche, le bail. Regarde comment ça coule, frère. Oh, putain. Je suis plein à craquer. Il me reste tout ça. Je suis plein. Après, c'est des frites, hein. En fait, c'est vraiment le but, là. C'est de te bourrer le ventre, hein. C'est le but. Je vois pas ça peut être quoi d'autre, ce type de plat, à part te bourrer le ventre. Là, c'est pas tu te nourris, c'est tu te gaves. Bah les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez goûté. Oh, y a un petit morceau de cheddar ici. Regarde-moi ça. Ouais, ça commence à être un peu à me gaver quand même, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Mais là, j'en ai tellement mangé que mon palais, là, il est brûlé. Je vais quand même leur donner un petit bout. Je vais leur donner un petit bout de bacon. Mustang, il va être aux anges, là. Hein. T'en veux? Regarde, il sent. Je me demande l'odeur qu'il a dans son pifle, en mode... Oh. Tiens. Alors? T'en penses quoi? Du bacon sauce fromagère, le Mustang. Je me fous pas de ta gueule. Bug, c'est pareil. Tiens, ma buggy. C'est le mosasaur, gros. Du bacon sauce fromagère, t'en penses quoi, Doudouce? En même temps, j'avoue, t'es là, on te donne du bacon comme ça, frère. Plein de sauce quand t'es un chien. Tu dois kiffer ta race. Bon, bah, les gars, un peu de gâchis. Le plat aura eu raison de moi. Mon corps me dit, arrête. Sinon, tu vas suer de la graisse. Quoi qu'il arrive, je me suis pété le ventre. J'ai bien mangé, en vrai. Je suis quand même étonné. C'était bon. Est-ce que je le recommande? En vrai, si t'as envie de goûter et si t'es dans l'optique que tu sais que tu vas te péter le ventre, bah go, en vrai, fonce, hein, c'est pas mal. Un peu trop saucé à la fin, donc peut-être retirer la sauce fromagère. Mais bonne surprise parce que, encore une fois, pour être 100% franc, je pensais que ça allait être dégueulasse, le bail. En vrai, ça a aucune dégaine, gros. Tu vois ça comme ça? T'as envie de manger ça? On dirait des pâtes carbo, frère. Bah en tout cas, j'espère que de votre côté, vous régalez, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle dégustation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous aimeriez bien me voir manger. Ciao les petits potes!